Coucou! Une petite vidéo aujourd'hui, je suis désolée, il fait pas très lumineux, mais bon, tant pis, j'ai fait la vidéo quand même. J'ai l'habitude de faire un peu la fin des soldes parce qu'on trouve encore des choses super intéressantes. Et ce matin, je suis allée vite fait chez Nocibé et chez La Halle. La Halle, je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Et puis demain, je vais en ville avec mon chéri. Donc, je vous fais déjà les achats d'aujourd'hui. Je pense que je vous posterai une vidéo complète avec les achats de demain. Donc, déjà, je vais vous expliquer chez La Halle. J'y suis allée pour une simple bonne raison, j'ai acheté, je vous ai fait un haul, La Halle, courant décembre je crois, il me semble que c'était tout début décembre, où j'avais acheté un sac à main, il était vert avec des clous cuivrés, bronze. Bronze, c'est mieux. Avec des clous bronze et j'ai eu un souci avec ce sac et c'est décousu sur tout le côté. Donc, je suis allée à la semaine dernière pour voir un petit peu ce qu'ils avaient en solde et j'en ai parlé à la vendeuse. Elle m'a dit, même si vous n'avez plus le ticket de caisse, vous pouvez le ramener, on le passe en défectueux et vous reprenez quelque chose de la même valeur dans le magasin. Pas forcément un sac, pas forcément la même chose. Donc j'en ai profité, j'y suis allée ce matin avec ce fameux sac et donc j'avais 29,90 € à dépenser dans le magasin. Et du coup, j'en ai profité parce qu'avec les soldes, j'ai eu pas mal de petites choses. Alors, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Je vais tout sortir, comme ça ne fera plus de bruit après. Hop, voilà. Alors déjà... Donc au final j'en ai eu pour 15,95 € à la Halle, moins les 30 € que j'avais déjà de par ce sac. Donc, j'ai pris deux sacs à main et quelques bijoux. Oui, deux sacs à main, bah, pourquoi pas après tout, hein, il n'y a pas de raison. Donc le premier que j'ai pris, j'ai craqué sur sa couleur. Il est comme ça, c'est un sac vraiment à main. Voilà, c'est un sac qu'on porte, hein, voilà comme ça. Il est vraiment très beau, je trouve que même pour l'été, même en cette saison pour l'été, il va être juste magnifique. J'ai ma folie bleue qui réapparaît, donc voilà. À la base, il valait 29 € moins 50%. Voilà, donc très sympa. À l'intérieur, vous avez une petite pochette. Donc j'adore ce style de sac avec des pochettes à l'intérieur parce que ça permet de ranger des petites choses style carnet de chèques et tout ça qu'on ne veut pas laisser traîner dans le sac. Donc voilà, il est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé sa couleur. Il existe en vert, un vert un peu pomme aussi et qui est vraiment très très beau, mais celui-là j'ai vraiment trouvé très sympa. Après, j'en ai pris un autre que j'ai trouvé aussi, voilà. C'est un des sacs que je vous avais montré dans la fameuse vidéo haul à la Halle. J'avais hésité entre le vert que j'avais pris et un bordeaux. Et finalement, je ne l'ai pas pris en bordeaux, ce sac, je l'ai pris en vert. Parce que finalement, mon vert, je l'ai rendu et je voulais un sac vert. Donc là, il est comme ça. Donc c'est un sac vernis. Il est vert bouteille très foncé. Et il est juste trop bien. Il est super grand. Par contre, lui, il n'a pas de pochette à l'intérieur. Mais je crois que je vais acheter un... Vous savez, les organisateurs de sacs, là. Donc, il se ferme par petit truc comme ça, et vous avez également une pression là. Donc voilà. Celui-ci, il coûtait, je crois que c'était 29 € également, moins 50%. Que je vous dise pas de bêtises. Non, il est à 22 € celui-ci, moins 50%. Donc, je l'ai eu pour 11 € et le premier, je l'ai eu pour 14,50 €. Donc, ça vaut vachement le coup. Et puis ensuite, j'ai pris quelques bijoux qui étaient en solde parce que voilà, j'ai fait un petit peu le tour des bijoux en solde qui restaient. Et puis il y a des petits trucs qui me tentaient quand j'y suis allée une fois. Et ben je vois que celle-ci elle a un problème. Bon, c'est pas grave, je retournerai demain. Je vais vous les montrer quand même. Donc la première paire que j'ai prise c'est celle-ci, elle me tentait et puis je me suis dit ouais bof tu les porteras peut-être pas beaucoup. Puis au final je les ai prises et puis je vois que là il manque un petit strass rose donc il faudra que j'y retourne demain. Donc elles étaient à 6,99 € moins 50%. J'espère qu'ils pourront me les changer. Donc voilà. Ensuite, en boucle d'oreille j'ai pris celle-ci également, donc c'est des petits clous noirs avec un petit pic argent comme ça, toute simple. Elles étaient à 4,99 € moins 50. Voilà. J'ai pris également celle-ci, pareil c'est un petit clou mais en metal gun, métal noir, et vous avez un petit triangle qui pend, elles sont sympas aussi, j'aime bien. Donc 5,99 € moins 50 également. Et j'ai pris deux colliers parce que voilà, en ce moment j'ai envie de collier, je sais pas pourquoi. Et ceux-là, je les ai trouvés vraiment très jolis. Donc le premier, il est comme ceci.
Donc c'est un collier doré, un petit peu plastron, avec plein de piques et du noir. J'ai vraiment trouvé beau. Et celui-ci est à 9,99€, moins 50%. Voilà. Et le deuxième, alors celui-là, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas si je le porterai, mais je pense que oui. Je vais bien voir. C'est vraiment un coup de cœur, donc je l'ai pris parce que je l'ai trouvé magnifique. Il est comme ceci. Il est dans les tons bleu, un peu bleu marine. Et voilà, il est bleu et doré. Doré argenté, puisqu'il y a des petites perles dorées et argentées là sur le bas. Je l'ai vraiment trouvé très très joli. Voilà. Donc il est à 12,99€, moins 50%. Il existait en vert aussi, mais j'ai pas pris le vert, j'ai préféré le bleu. Donc voilà, ouais, franchement, je le trouve magnifique. Donc à voir ce qu'il donne porté. Voilà. Voili voilou pour la halle. Et donc j'en ai eu pour 15,95€ pour tout ça. Donc franchement, c'est génial. Ensuite, je suis passée vite fait chez Mime. Alors chez Mime, j'ai trouvé quelques petites choses, mais pas grand chose. Voilà. Pas grand chose. Une petite pochette qui m'a tapé dans l'œil. Elle est comme ceci. Elle est noire avec des petites étoiles bleues comme ça. Je l'ai trouvée trop choupinette. À la base, elle était à... Attendez, je vous dis ça. 4,99€ et moi je l'ai eu à 1,99€. Donc voilà, très choupinette, très sympa. Et puis pour mettre des petits trucs dans le sac à main, c'est toujours utile d'avoir une petite pochette. Et elle ira très bien avec mon sac bleu en plus. Puis, je suis tombée sur des colliers. Au début, je me suis dit non, tu vas pas prendre ça, tu vas pas mettre ça, ça va pas le faire. Puis au final, je me suis dit, allez, tente l'été avec une petite robe ou un petit t-shirt basique. Ça peut être très sympa. Alors, je vous montre ça tout de suite. En plus, donc, il y a celui-ci. Donc, c'est de la maille. Hein. C'est une maille en plastique rose, rose fluo, comme ça. Il était à 5,99€ et moi, je l'ai eu à 1€. Donc, je me suis dit, pour 1€, voilà, quoi. Ça peut être très sympa à porter. Et j'ai pris le même en jaune fluo. Bon, j'arrive pas à le... Voilà. Le même en jaune fluo. Donc, en plus, il y a une petite chaînette ajustable. Je pense que ça peut être très sympa avec un pull noir et un look un peu... Voilà. Donc... Avoir porté, pareil, il était à 1€ également celui-ci. 1,04€. Ouais, et l'autre à 1€. Enfin bref, voilà. Donc très sympa pour ces petites choses. Et j'en ai eu pour... ouais, allez, de toute façon, 1€, 1€ et puis 1,99€. 4€. Donc voilà. Ensuite, je suis passée ces Nocibé vite fait parce que, voilà, j'avais envie. Et là, je suis tombée sur des petites choses qui me paraissaient plutôt sympathiques. Alors, il y a une chose qui m'attendait dans un rayon. Ça, je vous en parlerai juste après. Et puis, il y a d'autres petites choses que j'ai prises parce que je les trouvais sympas. Tout simplement. Donc, la première chose que j'ai prise, c'est ceci. Alors, c'est des cotons à démaquiller, zéro trace de maquillage. Ils sont sans alcool, sans parabènes. Toute peau même sensible, il y en a 30 dans le paquet. Donc je me dis que pour aller en week-end ou une connerie dans le genre, emmener ça, ça peut être bien pratique. Alors je sais pas ce que ça vaut, je verrai bien, j'essaierai et je vous dirai ce que j'en pense. Alors ceux-là, je les ai eus à... Alors, de mémoire, ils étaient à 4,50 et parce qu'ils ont enlevé les étiquettes et je les ai eus à 2€, il me semble, un truc dans le genre. Donc voilà, toujours utile et je testerai, je vous dirai ça. Et après, j'ai trouvé des petites choses que je n'avais jamais vues chez Nocibé et je crois que je m'attarderai un peu plus sur leurs produits. C'est ceci. Donc ce sont des cotons-tiges, des bâtonnets coton à démaquiller. Ils marquent idéal pour le voyage. Je me dis pourquoi idéal pour le voyage. Tout simplement parce que... Dans le paquet, vous avez, que je vous dise pas de bêtises, voilà. Vous avez plein de petits pochons de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochons de 15 cotons-tiges.
Donc ça, je trouve ça vraiment génial quand on part en week-end, quand on part en vacances ou des choses comme ça. Je trouve ça génial d'emmener un petit paquet. Ça évite, moi j'en prends souvent dans une petite pochette, mais en même temps, c'est pas très hygiénique, je trouve. Donc là, franchement, je trouve ça vraiment génial. On met ça dans la pochette, même pour mettre dans le sac à main, dans une, pour au cas où enlever un petit truc de démaquillant, enfin de maquillage qui coule, une connerie dans le genre. Ça peut être très pratique. Donc du coup... j'en ai pris deux, ils étaient à 1,45€ je crois ces petits trucs là, donc j'en ai pris deux paquets parce que je trouve que bah, c'est super pratique, comme ça j'en aurai pour un petit moment. Ensuite, il y a des petites choses que je vous montre pas parce que c'est pour offrir, et je me suis pris ça également, ça c'était pas en solde malheureusement, mais je trouve que l'odeur du gommage est magnifique, donc j'ai pris le petit gel douche. Alors je les prends petits parce que je sais pas ce qu'il vaut en gel douche, c'est le gel douche Jasmin Tiare de chez Nocibé, et maintenant ils ont un nouveau packaging avec plein de trucs, là Jasmin Tiare c'est Je suis zen. Alors pour moi il a pas la même odeur que le gommage, à voir à l'utilisation ce que ça donne, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et cette petite chose, ça valait 3,50€, c'était pas en sol. Alors, pour 100ml, 3,50€ pour un gel douche, je trouve ça vachement cher, mais j'avais envie de tester. Et je me promenais dans Nocibé, et vous savez, chez Nocibé, ils ont des bacs en carton avec tous leurs soldes, et je fouine dedans, donc il y avait ces petites choses là, machin, et au fond, il y avait ça. Et là, je dis Yves Saint Laurent, tiens, qu'est-ce que c'est? Je regarde vite fait, il y avait une petite étiquette, moins 30%. Bon, tiens, sympa. Moins 30%, 22... Si je ne me trompe pas, 22€, un truc dans le genre. 22,04€, je crois, à la place de je ne sais plus combien. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Alors, je regarde, rouge volupté, plaisir éclat, confort. Et je regarde, numéro 7, rose lingerie. Et là, mes yeux, ils ont fait choum, rose lingerie, mais... Rose lingerie, c'est un rouge à lèvres que j'ai dans ma wishlist. Donc, bah, ni une ni deux, hein, j'ouvre la boîte. Et là, je me retrouve en face de ça. Et quand j'ai ouvert le capuchon, j'ai juste kiffé, quoi. Voilà. Donc, c'est le fameux rouge Yves Saint Laurent rose lingerie, qui est le numéro 7, qui est juste une tuerie. Il a une odeur, mais à tomber par terre. Il est... Voilà, le packaging déjà est un packaging de folie, et le rouge à lèvres, il est, je vais vous faire le swatch, vous allez voir, il est, voilà. C'est un rose bébé, un rose lingerie, un rose magnifique. Donc je me suis pas posé de questions, je l'ai mis dans mon panier, puis je suis passée à la caisse quoi. Parce que c'est mon premier rouge à lèvres Yves Saint Laurent de ce style là, parce que avant j'en achetais d'autres. Mais c'est vrai que depuis que je fais des vidéos YouTube, je suis plus passée à des produits un peu à tout va. Mais il y a quelques années, je dirais que je me penchais beaucoup sur les produits de grandes marques. Et puis là, j'ai craqué et franchement je suis hyper méga contente parce que oh, l'odeur elle est divine, il est magnifique, il est, pour moi c'est un nude parfait. Il révèle les lèvres, enfin il est juste trop beau et je suis trop méga contente. Donc voilà, ça finit mes petits soldes d'aujourd'hui. Non du tout, je vous dis des bêtises. J'ai eu un petit échantillon d'hypnotique poison chez Nocibé. Et je suis passée également à la boutique du coiffeur. Qui est pour celles qui ne connaissent pas, ça se trouve dans le centre commercial Auchan Amiens. Et j'y vais régulièrement parce qu'ils ont des produits Peggy Sage, ils ont des produits, ils ont les China Glaze. Oh, c'est mon téléphone qui me dit un message. Ils ont plein de petites choses comme ça, et puis ils ont plein de produits pour le coiffage, etc. La boutique du coiffeur, c'est normal. Téléphone, je reviens. Donc, je vous disais donc c'était le téléphone, mais je vous disais donc que j'étais passée à la boutique du coiffeur, et puis j'ai regardé un petit peu leur solde. Donc, j'ai pris des petites choses qui étaient à moins 50%, et toute la boutique n'était pas en solde. Il y avait quelques petites choses, des gloss, des rouges à lèvres, des vernis, des choses comme ça. Je sais qu'ils avaient une promo pour les China Glaze de acheter un crackle offert. Mais j'ai pas acheté de ça. Ils ont également les vernis in full color si ça vous intéresse, ce que je trouve très sympa. Et donc moi j'ai acheté trois petites choses, deux petites choses qui vont partir pour des copinotes. Et une dernière petite chose sur les rouges à lèvres Peggy Sage, j'ai regardé un petit peu, il y en avait qu'un en solde qui était à moins 50. Et je me suis dit tiens la couleur elle est plutôt sympa, c'est pas une couleur que j'aurais acheté à prix fort. Mais voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas tester puisqu'il est en solde. Donc celui-ci, je l'ai payé de mémoire 4€, un truc dans le genre. Donc pas très cher.
J'ai pas le ticket de caisse là avec moi. Oui, c'était 4 euros, 4,40 euros ou un truc dans le genre. Donc, c'est le numéro 255 Amber. Voilà. Donc, j'adore les packaging Peggy, ça, je les trouve très classe. Et il est comme ceci. Donc, c'est un nude matte. Il a des paillettes dorées. Je le trouve vraiment très joli. Je vais vous faire le petit swatch également. En fait, il est satiné irisé et voilà, il est un peu brillant comme ça. Je le trouve vraiment très beau. Donc, je ne regrette pas de l'avoir pris parce qu'en plus, il n'y avait pas le testeur. Je ne l'ai pas testé. J'ai juste ouvert un rouge à lèvres et regardé vite fait le raisin, voir ce qu'il donnait. Je me suis dit, bah, hein, qui tente rien n'a rien, pour 4 euros, tente. Et puis, bah, tout compte fait, je suis super contente parce que je le trouve très sympa. Et pareil, il a une odeur assez sympathique aussi. Donc, voilà, voilou, mes petits achats d'aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous, très bientôt, tout de suite, pour la suite de mes achats de samedi, en espérant que je trouve des choses. Sinon, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!